juste que c'est. Ok. Et Oliver. Ouais. Les brochettes, tu sais, dans les buffets à volonté. Putain, elle est un. T'es japonais ou pas? C'est japonais ou pas? Ouais. Comment ça, c'est japonais ou pas? Ah ouais, ça. Ah, c'est une escroquerie un peu. Bah non. Ah non, mec, c'est les takoyaki. Ouais, bah, selon le fromage à l'intérieur, c'est pas des takoyaki du tout. Parce que c'est quoi le fromage des takoyaki? Ah non, alors je confonds alors. Je sais pas, mais c'est. Ah, désolé, j'arrive. Les onomiyaki? Les. Oui. Ça, c'est les crêpes. Ah, c'est les crêpes. Les takoyaki, tu peux les faire en brochette et ne pas les faire en brochette. Ouais. Yakitori? Ah oui, les yakitori. Mais ça, c'est les brochettes, ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est les brochettes avec du fromage. Yes. Ouais, c'est ça. Eh ben. Bah oui. C'est japonais? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je sais pas. Bah, moi non plus, je sais pas. J'aimerais bien qu'il m'explique. Zach, les yakitori, c'est japonais? Ouais. Bah alors, qu'est-ce qu'il raconte? Les yakitori, c'est japonais. Les yakitori. Ok, ça marche. Bah son timing, il est arrivé en ville le 5. C'est japonais. Déjà de la dope. Et on m'a parlé d'une histoire de coke. Donc, enfin bref, écoute. Je me méfie de ce genre de mec. Enfin bref. C'est japonais. Vas-y, à plus. Putain, ils sont encore dans le. Vas-y, laissez-moi tirer tout seul, hein! Je suis occupé, là. J'arrive. Ouais, c'est trop tard. Je suis occupé, là. C'est bon, il est parti, quand même. Oh, je l'entends encore. Putain, ouais. Ça me plaît vraiment pas, ce deal, moi. Bah, on dépense plus de munitions que le job, hein? Non, mais. Bon, bah, les couilles, les munitions. On a des chargeurs. À la peine. Ah, les chargeurs de 5,56, c'est plus que c'était. Mais. La 1000! Il s'en va un jour, lui ? Non, mais il fait toute la ruelle, en fait. Non, mais il est déjà reparti, là. Putain, voilà, il est parti. Bah, ça y est. Ouais. Il est monté dans sa voiture, let's go. Et c'est vraiment un truc de ouf, ça. Hein. Ouais. Je sais pas, c'est... Oh, j'ai perdu 200 de mètres et la thune qui va avec. Ah ouais? Bah ouais, je me suis fait toper par le LSCS. J'ai vendu au moment où l'adjoint sortait de sa maison juste en face. Ah. Le timing. Ouais, le timing de merde. Du coup, je suis sorti de Paléto, j'avais un cruiser au cul. Je fais une CP jusqu'à la CDT. Et arrivé au croisement où il y a le radar sur la 68, j'ai tapé entre deux grandes jarres la voiture est calée. Oh. Oh, je vais faire un truc, moi. Oh, je vais faire un truc. Oh, je vais, c'est bon, j'ai trouvé ma soirée. Oh putain, oh c'est bon, ma soirée elle est bouquée. Oh putain. Bah, je vais rentrer ça, moi. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais tirer une bagnole, je vais la foutre sur le ponton là-bas, je vais foutre un C4 dedans, je vais me mettre sur un toit, je vais attendre qu'une voiture descende, je vais faire péter le C4. Petite fusillade là.
J'espère qu'il n'y a pas de délai, hein. J'ai peur de pas avoir le temps de voir une voiture descendre et de faire péter. Oui, pas d'inquiétude, l'explosion, je procède à un test. Hein, ok. C'est où? Bah au niveau de la ruelle de Kyle, l'entrée. Ok, ça marche. Ok. Voilà. Vas-y, ça marche. Salut. À toutes. Amuse-toi bien. Ok. C'est instantané. Oui, c'est beau. Pourquoi ils avaient pas pété nos C4 à la centrale? Bizarre. Putain, j'aurais pu me tenir ici aussi. Ah, le truc, c'est qu'on a vraiment du monde qui rentre par ici. C'est mad? Ouais, t'occupes, je teste différents moyens de dissuasion auprès des flics. Ah, c'est toi la bagnole là? Bah oui, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Mais j'étais là en mode, mais what the fuck. Mais ça me plaît pas, faut que ce soit un autre système. Mais je vais garder l'idée du C4 quand même, parce que j'aime bien quand ça pète. Enfin bref. Tu veux faire ça quand il y a une bagnole qui passe? Quand il y a une bagnole qui descend, faire péter la voiture devant elle, ouais. Ah ouais, d'accord. Le problème c'est qu'on a du monde de chez nous qui passe par ici, j'ai pas envie de... Sinon tu peux faire au moment où elle est au fond de la ruelle. Comme ça, elle va être bloquée par les flammes. Ah là, ils sont ouais. Vraiment dans un endroit dangereux. On amène un bus et on le fait péter. Ouais, et puis comme ça, ouais, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment dans un endroit très 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 dangereux et finalement, ça vaut vraiment pas le coup d'aller se balader là-bas, quoi. Putain, Mads, tu pourrais presque être chef si t'étais pas si con. Non, on est d'accord. Ah, il me faut un bus ou un camion là, il me faut un truc là. Des bus, t'en as pas mal à Playa Vista, si tu veux. Ah là, je tiens un truc, là. Ah, je reviens. Il s'y fout que la main sur le ventre, lui. Ah, j'ai pas de taser. Bah, mec, t'as mal au ventre? Salut. Non. Pourquoi tu te tiens le ventre? Je trouve pas de camion, putain. Est-ce que je te vois en train de courir depuis tout à l'heure? Ah, je trouve pas de camion, ça me... Bah en fait je cherche un camion, l'idée de Mads elle est bonne. Dès qu'il y a des flics qui rentrent dans la ruelle, j'amène un camion, je bloque la ruelle, je fais péter le camion C4. Comme ça ils sont coincés par les flammes. Ouais, ce genre là, tu vois. Ou même un... Putain comme le camion Ben là. Merde, je sais plus. Ouais, oui, oui, non, trop petit pour bloquer la rue, il faut vraiment SBC. Mais le problème c'est où le planquer, tu vois. Parce qu'en gros il faut que les flics rentrent et dès qu'ils sont rentrés, bim, je sors de la cachette, je bloque la rue. Et let's go, tu vois. Pourquoi te cacher au pire? Tu te diras un peu plus haut sur le totem? Ou soit plus vers la marina? Non, depuis les canaux, mec, depuis les canaux. Depuis les canaux, ça va être compliqué. Ah non, je le mets dans black, tu vois. Je le mets dans black et... Ou alors deux camions plus petits. Les... Comment ça s'appelle? Les bifs. Ouais. C'est ça que je... Oui, c'est ouais. Ça que je peux pas. Ouais, je vois, le camion Ben. Au pire, dès qu'ils rentrent, on prend 2-3 là et ils vont chercher ça. Hein. Ils arrivent là, ils ont fini vivre. Yes, on va les mettre là-dessus. On va cancel les ventes. Tu peux ranger la mallette quelque part? Ouais, je peux me débrouiller, j'ai pas... Vas-y, fais... Ramène tout le monde à la maison. Tu briefs. Je veux qu'on ait... Ouais, deux bifs. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, des camions Ben ou alors un gros camion SBC. Et dites-leur, ouais. Dites-leur que ce soir on fait un feu de joie. Alors attends, j'ai une deuxième idée. Le bus, le camion, ça peut être la deuxième étape. Mais la première étape, c'est peut-être plus
Genre, je sais pas, admettons on est 10. On en met 5 à gauche d'une maison dans une ruelle, 5 à droite de la maison dans une ruelle. Et quand la voiture de flic passe, les 5 qui sont à gauche, ils sortent, ils se mettent en ligne comme ça, les armes à la main, avec masque. Et les 5 qui sont de l'autre côté, ils se mettent pareil derrière la voiture. Et t'es juste on la fixe. Ok, on peut faire ça si tu veux. Tu vois ? Par contre, on est 9. Non, mais c'est. J'avais pris 9. L'exemple, tu vois. Ouais. Oui, mais 4 et 4, du coup, ça marche bien. Pourquoi moi, hein ? Mads, il est en CP, il reste 2 barres. Ah merde, c'est con ça. Ah. Très joli, Zach. Merci, merci. À la gueule. Ouais, oui, oui. Ah oui putain j'aurais dû prendre ma guse. Bah oui ce canon, ce canon, sortez vos guses. Aïe 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 carnel. Te fait la place. Ah ça me plaît ça. Elle est bien. Ouais elle est bien. Pourquoi des guses ? Ce canon oui. Ok. Bon j'en ai pas mais bon je me suis inquiété. Je suis au conseil quand même. Ouais merde. prenez tous une guse, prenez tous une guse. Bon, c'est quand même moyen d'essayer de les attirer. Prends une guse, Zach. Tout le monde en guse. Ah bah je l'ai. Ok. J'ai des cocktails molotov aussi. Tiens, c'est marrant. On a eu la même idée. Ouais. Bon bah si c'est pour foutre le feu... C'est qu'en gros, on sera deux groupes. On va choisir une maison, on se mettra un groupe à gauche, un groupe à droite de la maison, planqué dans les ruelles, tu sais. Dès que la voiture de flic arrive, un groupe se met devant elle, face à elle, comme ça. Ouais. Et l'autre groupe et se met derrière, pareil. Deuxième groupe, yes. Je préfère garder une accord. T'as dit quoi, Ichi ? Je préfère garder une accord. Non, non, prends une guse, mec. T'es sûr ? Oui. Ok, ok, ok. Ouais, le but c'est pas de leur tirer dessus non plus. Non. T'as quand même une belle gueule hein. Ah oui, ça a une belle gueule et puis... C'est plutôt puissant. Genre si je m'excite... Et hop là... Oula. T'es mal ça. Ouais, je crois. Et bah, c'est pas... Il a gagné sa CP, nickel. Faut croire hein. Ah oui. Oui. Ah ouais, ça se voit là. Arrête de tirer. Arrête de tirer. Arrête de tirer. Mais... J'aimerais bien qu'ils descendent pas avant qu'on y sauve. Ça me ferait chier. Mmh. Hier, il disait quoi qu'il passait toutes les demi-heures ? Ouais. Ah ouais ? Toutes les demi-heures. À peu près. Yep. Attends, j'aimerais tester un truc. Ouais, c'est un peu fort ça. Je veux te dire qu'il y a un mec de l'autre côté, il n'y a plus personne. Hein. Je crois qu'il est incroyable. Bah, je sais pas si tu te rappelles quand on avait fait le trap ici là. Ah ouais ? Moi j'étais sur le balcon là-haut, il y a un flic qui a essayé de se cacher derrière, j'ai démonté le panneau, j'ai démonté avec. Hein. Ah bah merde. Mads, tu t'habilles en irlandais, tu vas chercher une Gusenberg. Il reste plus qu'une roue. 1-2-3-4, 1-2-3-4, on sera à 8, il manque qui ? Il manque Kamiko, je crois, il est pas obligé. Ouais, il manque Kamiko, pardon, moi je suis là. Oui, tout le monde est là. Donc juste comme. Il est parti faire quoi ? Vous savez ? Il est. Okay. Billy. Okay. Radio ou pas radio ? Deux chefs de groupe, on les radio, c'est bon. Va y avoir deux groupes, Ichi, Zach, Brock et Oliver. Et Mads, Carnel, j'ai qui ici ? Sam. Que j'ai pas dit, Sam ? Oui. Et Kameko. Oui. Il arrive. Dites-lui, envoyez-lui un message, bon, j'ai la voiture irlandais Gusenberg. Et il appelle. On a plus chez moi ? Il y a celle non. De Phoenix. Oui, bah il prendra celle de Phoenix.
pense, hein, le temps que... Ouais. L'idée est simple, ce sera juste de l'intimidation. En gros, il y aura deux groupes planqués dans les ruelles. Un à la fin de la ruelle, un peu plus tôt. Dès qu'une voiture de flic rentre, le groupe qui est au fond de la ruelle sort et se met face au flic. Et le groupe qui est un peu plus loin se met du coup derrière la bagnole de flic, pareil, aligné. Donc pas de bus qui explose ? Non, ce sera la phase 2 ça. Okay. Je me dis que c'est un peu beaucoup pour une première phase, tu vois. En général, ils vont bien jusqu'au fond de la ruelle. Ouais. Ils font cette ruelle là et ils font celle qui va vers la banque aussi. Yes. Alors, je pense qu'on va aller à gauche là. Ah là, il y a la porte de Kyle. À droite. Ouais. Exact. Ah, ici c'est bien. Ouais, non, ici. On se met au bout là-bas. Et nous, on se met un peu plus loin, ça. Non, attends. Ça va être le groupe de. Ça va être le groupe de Ichi qui sera là. Ou le mien. Non, ce sera le mien. Ouais, il faut se mettre un peu plus loin pour ceux qui seront au fond de la... C'est ça. Donc en gros, la voiture de flic arrive. T'avances comme ça, tu la regardes pas. Et on se tient comme ça, avec une belle ligne. Ouais, genre, nous faut... Attends, nous faudrait qu'on se foute là-bas, derrière l'arbre, là, sur la gauche. Non, non. Justement, ça sera le fond. L'autre D'accord. groupe, il sortira d'un peu plus par là-bas. Attendez, revenez. Cachez-vous là, venez. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, le groupe d'Ichi va un peu plus au fond par là-bas. Ok. Et... Ok, nickel. Allez vous mettre une centaine de mètres plus au sud. Trouvez-vous une ruelle comme ça? Ouais. Et tu me préviens quand t'es ok. Vas-y, ça marche. Okay, venez, nous... On peut déboucher là? C'est là. Ouais. C'est ici qu'il faut se mettre. Aïe! Putain! Aïe! Putain, mais. C'est aussi. Tu vois? Change un peu pour nous, on va se mettre tout au fond de la rue. Ok, je t'envoie ma pause. Et où ici? Je suis derrière le mur, hein. Je suis de l'autre côté du mur. Là, on peut pas grimper là. Il y a une porte. Ouais, mais oui. Là où on est? Non, là où je suis. J'ai une porte aussi, t'en fais pas. Quoi, c'est une ligne comme ça? Je pense qu'on peut faire les deux. Ouais, il y a une porte juste là. T'en se foutre. Ouais, tu me diras. Ouais. C'est pareil, non? Ok, c'est ok. On va faire un test. Quand je vais dire top, c'est le top pour nous. Et genre, vous vous simulez comme si une fois que la voiture est passée en fait. On se met en ligne comme ça. Ou on sortait que une fois que la voiture est passée pour la bloquer. On se met derrière, on se met droit. Tu veux pas un top? Je compte 5 et je sors. Non, tu sors pas avant que la voiture soit passée devant toi. Oui, non mais tu fais top parce que toi tu sors. Non mais quitte... Oui. Oui, bah tu... Oui, si tu veux, tu comptes 5. Vas-y, ça marche. On va faire une simulation. Top. Et go. 1, 2, 3, 4, 5, et go. Et là on sort. Non, pas en courant les gars, à pied. Allez, retour en poste. Ah oui, d'accord. Ah putain, c'était une répétition là. Ouais, c'est une répétition. Bah bien sûr. Mon dieu. T'as le spectacle sur l'art de la mise en scène, Mads. Alors... Mets-toi derrière parce que tu vois. Cher maman, cher papa. Reviens un peu vers vous. Les enfants vous ont. Ouais, reviens un peu vers nous. Un service. Mais pas trop non plus parce qu'en fait, moi, à partir du moment où je la vois arriver de loin, tu vois, nous on va arriver en marchant quoi. Donc, c'était pas si mal là où t'étais. On fait un test et si tu me dis moi. Ouais, je te le dis, vas-y. Vous êtes prêts? J'ai pas bien mon niveau. Non. Ok. Les gars, vous êtes prêts là? Ah, on refait une répétition? Ouais, on refait une répète. Je vous imite là. Ah, d'accord. Okay. Ok, top pour nous. Parents. Accompagnants. Non, vous êtes trop prêts. C'était bien là où vous étiez tout à l'heure. Ouais. Ok, ça marche. Oh putain, on va en faire une troisième, c'est une blague. Putain, j'en peux plus. Bienvenue aux répètes, Ça va aller. Du spectacle de fin d'année. Bienvenue à la kermesse. Attends.
Attends, attends, il y a un truc qui va pas. Sam, tu me remets ton col bien, s'il te plaît. Carnel, c'est quoi ces poussières là sur ton truc là? Hein? Et les trous dans les manches là, Liam? Ouais. Bah j'en ai plus. Tu vas m'arranger ça, hein, je te le dis. Hein. Hmm. Ok, top. Ah, là ils vont s'arrêter, ils vont commencer à reculer. Et ah eux ils sortent. Wow. Vous avez vu, vous avez vu la gueule de votre ligne là, voilà, c'est dégueulasse. Allez, on y est. Ouais, nickel. Attendez la police, attendez, on refait une ligne. On va refaire un exercice parce que ma ligne, moi, mon équipe était dégueulasse. Pousse. Merci. Oh, hé, vous appliquez un peu sur la ligne là, c'était, ça ressemblait à rien. Ok, donc moi je vais prendre en point de repère le lampadaire là, d'accord? Je vais m'aligner sur ça, d'accord? Le lampadaire, c'était moi. Mats, tu dois être concentré, ok? Ça commence à bien faire. Ah bah ouais, je suis extrêmement concentré. Hein. Ok, vous êtes prêts? Et top pour nous. Alors Liam vous présente une nouvelle collection d'un petit gilet vert en cachemire. Non mais, putain, voyez plus large. Dites-vous, voilà, Carnel elle prendra la ligne jaune. Toi, tu prendras ça là, à la ligne là, et puis toi, tu te mettras ici à la démarcation du trottoir. Ok. Et 100%, il y aura zéro pas de trottoir ce soir. Allez, on rentre. Des deux ou tu. Non, non, on rentre ici, ici, on reste là, mec. Ok, vas-y, ça marche. On reste là jusqu'à, je sais pas, 21h30, 45. Hey, Mads. Tu sais ce que c'est un exorcisme à l'envers? Non. C'est. Quand le démon, il demande au prêtre de sortir de l'enfant. Oh putain. Bordel. T'as des instructions si ça nous fonce dessus? Ne croyant pas en toutes ces choses-là, j'ai envie de te dire que ça me passe au-dessus. S'il te fonce dessus, bah en fait on resserre petit à petit sur lui. Imaginez si on pouvait mettre le feu à des poubelles. Et que les poubelles pouvaient être bougées. Ah oui, oui, oui. J'imagine. Bon après... Après, ça peut partir très loin, donc on va juste garder cette idée et puis on va plus en parler, hein. Lancer des parpaings. Non mais il faut que j'arrête avec mes idées à la con. Je vais me taire. Jeter des briques. Ça va de votre côté? Oh, putain, ça me rappelle un truc dans... Ah oui, oui, on s'imagine des situations, notamment si on avait le droit à des poubelles, mettre de feu à des poubelles, des feux d'artifice... J'ai ça pour foutre le feu, si tu veux. Ouais, pas mal. Oui, oui, on va arrêter avec ces idées, hein. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil à César, il est en train de péter un câble pour. À partir du 13ème étage. Et on a 11 377 dédales, Matt. Arrêtez de compter. Comment tu le sais ça? Je sais pas, j'ai mis un nombre random. Ah, je crois que c'était Kyle qui l'avait mangé celui-là. Quoi? Qu'est-ce que tu manges, Matt? Un chewing-gum. Bah, le chewing-gum que je viens de ramasser par terre là. On peut faire ça, Matt? Ouais, mais les là. Mais tu... Allo, oui, je t'écoute. Ouais, tu vas bien? Toujours, ouais, toi? Ah ouais, je sais pas, il paraît que tu pètes un câble. Non, j'ai ramassé un chewing-gum par terre de Kyle. Au goût, je pense que c'est Kyle. Ah oui? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Kyle. Ah oui, c'est et Kyle. Puis, voilà. Et il est goûtu, du coup? Il a un petit arrière-goût un peu acide, mais en vrai, sinon, il est tout doux. T'es sûr que c'est pas pitié, le goût acide? C'est pas quoi? Pitié, le chien, c'est Kyle. Top, ça. Ah, tu penses? Ah bah c'est possible, hein. Un chien, ça mange des chewing-gum? Ah bah il était drogué à la mette du temps où Phoenix l'a pris, donc il lui mettait de la mette dans ses croquettes. Ah d'accord. Bah je le savais pas. J'ai jamais connu Pitié. Oh pourtant, Kyle l'a encore. Bah écoute, si tu te sens bizarre, c'est la mette. Et c'est Pitié. Ok. Allez, et ben bon courage, hein. Merci. Bonne attente. Attends, attends, y'a un problème. Tu viens de dire qu'il connaissait pas Pitié? Non. Pff, j'en ai marre. Hein. Et alors, en fait, non, ça va très bien. Apparemment, il a juste ramassé un chewing-gum de Kyle par terre. Mais je lui ai dit que c'était probablement celui de Pitié. Oh, putain, j'en ai marre. Il m'a dit au goût, c'est un peu acide et doux. Donc, du coup, ça doit être Kyle. À 21h30, on fera quelques tirs pour attirer l'oiseau dans son nid. C'est bien reçu. Ça vous dit pas qu'on quitte les canaux? Genre on les abandonne, on les rend aux flics pour se rebattre pour les canaux après.
Oui, c'est spécial comme gars. Je suis pas certain que le gars là qui nous a envoyé le gars là pour qui on bosse, il sera pas d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'on va. Et puis c'est un risque de pas réussir à les récupérer quoi. C'est vrai. Petite guerre des canaux là. C'est quoi, je vais tirer contre le mur bleu. Moi je tire. Bah, t'es en face de moi là. Ouais, nous on tire dans ce sens là. Ok. Et nous on tire comme ça. On va éviter les accidents, d'accord? Attends, mais toi, recule un peu. On se met comme ça. Je crois qu'il y a... S'il y a une connerie. Va tirer en haut à gauche. Attends, on attends. Non, mais mets-toi les mêmes hauteurs que moi. Est-ce qu'on s'est... Mais putain, vous cassez les couilles. En haut à droite et moi, je tire en haut à gauche. En haut à droite, t'es sûr? Ouais, ouais. Vers le ciel, là-bas. Là. Ouais, je tire en haut à gauche vers le... Ah, tu... on tire sur le mur là, hein. C'était quoi ce bruit? Moto, non? Moto de flic. Cachez-vous, cachez-vous. Attends, stand-by pour les tirs. Moto qui rentre. C'est rentré. C'est rentré dans la ruelle. C'est une moto. Elle a pas les sirènes. Ouais. Elle vient vers vous. Top. Et Adam 67, je vous demanderai de faire un passage S-Mirror, s'il vous plaît. 10-4, en termes de... 10-24, s'il vous plaît, pour Rockford Drive. 10-24, rapidement. J'ai 12... On se rapproche sur votre route. Vous pouvez mettre un point 18 s'il vous plaît. Allez, on se bouge, je veux que tous les unités se rendent sur le point de 18. 4. J'ai 9 personnes qui se rapprochent de moi. Allez, allez, on se bouge. Adam 67 à 1 km. 38, 800 mètres. Adam 70, 4 km 5. Derrière vous 18, ils descends. Arrivent en courant je crois. Descends. T'es perdu? Derrière, faut que j'aille dans l'intérieur derrière. Non, je suis pas perdu, on a la rue normalement. Ah oui, t'as la rue mais ça reste un quartier dangereux Patrick. Mais oui. Ouais. C'est bizarre, d'habitude y'a les Giro. Ouais, y'a les Giro là, y'a pas de Giro. C'était... le point essentiel du deal. Le deal c'était venir ici et repartir 15 minutes, même pas le temps. Oui, avec les codes 3. Non. Aucune idée. Ah. Ici. Comment ça, aucune idée? Rappelle-moi ton grade. Capitaine. Ah, demande à ton commissaire. Elle est pas là, là, pour l'instant. Ah. Bah moi je te le deal c'était avec les codes 3. Donc le deal est pas respecté. Ah, ça faisait combien de temps qu'on est pas venu ici Là, 25 minutes. Sugar, t'as entendu ouais. La musique ou pas quand il était sur sa moto? Non. C'était quoi? J'avais pas de musique, moi. Non, il y avait pas de musique. On avait pas, justement. Non, il y avait pas de pimpon, c'est ce qu'on est en train de discuter. Ah ouais. Ouais. Du coup, le deal est pas respecté, Patrick. Tu sais ce qu'on va faire? C'est quoi? Bah rien du tout. Tu peux repartir. Non. Tu peux repartir, j'ai dit. Avec la... sans la moto, c'est ça? Oui, tu peux la laisser ouverte. Et du coup, on en reparlera quand la commissaire sera là. Parce qu'apparemment, il y a des infos qui sont pas transmises. Ok. Toujours pas de buffalo là. Ouais. Nul. Ça monte. Ça monte en grade buffalo. Hein. Allez, on rentre. On rentre. Ouais. Attendez pas, hein, j'arrive. Ok, toi. T'es enfumé.
Vas-y, bouge ça. On va fermer avec Zach. Oui. Vous avez pas, je vais bien. Regarde, on voudrait bien tirer quelques balles pour le coup. Allez-y. On sort dans le canon quand même. C'est go, vas-y. Pan pan. À mon tour, j'ai pas encore tiré. Ils ont l'air de vouloir rester, hein. Stop. Ça part, ça. Tu m'étonnes. Elle bouge. Apparemment, c'est le capitaine plus une moto qu'on vient de prendre, donc. Oui, c'est ça. Oui, c'était. Voilà, ouais. C'était Ballosto. Ouais. Ah, mais ils ont pas respecté le deal. Il a pas mis les pimpons. Il y en a un seul qui reste avec un supplément. Vas-y, je reste. On va juste rester là. Quelques minutes. Il est en train de se balader, Liam, dans quoi. Autour des canaux. Ouais, il est dans les canaux avec la moto. Ok. Allez. Salut. Les bâtards devaient bouger. Les bâtards.